pas à l'aise là. Je suis pas très bien. Je suis vraiment content d'avoir fait quand même. Bienvenue à Marseille. Aujourd'hui, on va tester les Marseillais. On va voir s'ils sont bons au foot ou pas. Quand je dis qu'on va tester les Marseillais au foot, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des passes aux gens dans la rue et après, on va noter leurs passes. C'est un peu le concept qui buzz sur TikTok en ce moment et sur Instagram aussi d'ailleurs. Du coup, on va essayer de faire ça à Marseille. Parce que, oh putain, il y a des gens avec un ballon. Ça y est, les Marseillais sont trop chauds. Donc voilà, ça va être marrant, je pense, de voir les réactions des Marseillais. On va voir s'ils sont chauds ou pas. Je pense qu'on va perdre le ballon. C'est très possible qu'on perde un ballon, mais on va voir ça. Et avant ça, on va aller dans un spot abandonné. Je dirais pas exactement où, mais c'est pas loin de Marseille. Et on va essayer de faire des photos et des clips assez stylés. Apparemment, ça vaut le coup d'y aller, donc on va y aller tout de suite. Et je vous emmène avec nous. Là on va tout visiter et ensuite on va voir là où on va faire un clip, là où c'est le mieux de faire un clip. Et là c'est déjà trop stylé. Attends, I see you. C'était les heures d'ouverture, mais on est où là? Parce que là, il y a Castellane. Avant, c'était vraiment une piscine publique en fait. Ah, je pensais que c'était une piscine moi du complexe universitaire, tu vois. C'est vraiment une piscine publique. Ah, faut aller. Ouais, j'ai trop envie d'aller sur le plongeoir. Même si ça me fait flipper en vrai. Non, on y va, j'ai trop envie d'y aller. On va sur le plongeoir de suite. J'ai un peu le vertige, mais bon, on va essayer. Ah, je vais clairement pas kiffer là. Les marches sont chiantes. Non, mais attends. Elles veulent que je monte sur le plongeoir. Il n'y a que 3 étages, mais regardez les marches. C'est incroyable. Oh shit, j'ai clairement pas été bien. Attends, mais t'es sûr qu'elles tiennent les marches? Oui, il y en a juste une qui tient un peu trop. Il y en a juste une qui tient pas, elle me dit. Ça me rassure pas du tout. Il y en a juste une qui tient pas trop, mais t'inquiète. Ouais. Elle était tangente. Tu peux juste mourir une fois, quoi. Parce qu'elles sont relativement droites. Ah, mais tu me rassures, là. Là, ça va. Oh merde. Bon, premier palier, je suis pas ultra à l'aise déjà. Oh merde, bah, je vais monter quand même. Vaillant, si t'as un peu le vertige, t'es vaillant. Ouais. Ouais, c'est juste pendant les marches en fait. Après, là, une fois que je suis là, ça va, tu vois. Ouais. Bah vas-y, monte et de toute façon, le droit. Au pire, tu tiens comme ça. Je te dis, c'est pour la descente. Ah, c'est la descente, c'est plus chaud. Bah ouais, c'est un peu. Bon, là, je suis un peu moins à l'aise parce que la descente, elle est vraiment tendue. Ouais, je vais quand même monter les dernières. J'ai méga peur hein. Je suis pas à l'aise moi. Wow. Rien que pour le plan. Oh, c'est non, je ferai pas ça. Fais ça. Non, je vais pas faire ça. Mais si, regarde, vas-y. Voilà, avec la caméra je fais. Comme ça je fais genre que je l'ai fait. Vas-y, mettez-vous dedans. Je l'ai acheté, je l'ai mis. Il y avait Grégoire. Ouais. Comment faire pourtant? Ouais, c'est dur. Du clip qu'on va faire. On est en train de se cacher. On se cache derrière. Je veux savoir pourquoi j'ai la pression. Il y a mon drone à 1500 euros qui n'est pas piloté par moi. Ça va, je le gère. Il y a une balle qui risque de tomber à l'eau et il y a le vertige. Ça fait 3 points de pression. Fais juste gaffe à pas tomber, mais après le reste ça va.
L'objectif, ça va être de se mettre sur ce plongeoir-là et faire un plan drone en partant. Je suis pas à l'aise là. Là, je suis pas très bien. Mais on va essayer. Bon, à mon tour. Pas du tout à l'aise. Je pose ça là. Je l'ai fait. Je suis grave content de l'avoir fait quand même. J'ai encore le cœur qui bat. Chloé, qu'est-ce que tu fous? Chloé, il est taré, elle par contre. Vraiment. Qu'est-ce que tu fous là? Ah, c'est incroyable. En fait, c'est que j'ai vu jusqu'en bas. Ça me régale. Chloé, tu me fais peur, tu me tremble. En fait, c'est pour ça que je suis pas bien. Non, mais après, ça va parce que t'as l'air à l'aise donc. Le sang, elle a 250 000 abonnés. On vient de faire des petites photos là du coup. Le spot est trop stylé. Objectif 3 jambes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Oh le ballon il a fait. On va commencer avec le concept des passes maintenant. On a retrouvé le Alex, il est là. Yes. Okay. C'est Johanna qui va commencer. Alex à la cam. Elle vient totalement de rater sa passe. Ah, c'était la plus belle passe de tout le challenge. Ta passe, Johanna, c'est quoi ça? Mais j'ai paniqué, j'avais l'impression qu'il allait tomber sur la balle et qu'il allait mourir. T'as pas voulu lui faire mal? Non, je voulais pas. Attends. Ah, ouais. Et voilà. Aïe. C'est juste le tour du monde, c'est. Merci. Alex, ça fait quoi d'avoir failli perdre sa balle pour la première fois? J'ai eu chaud là, je transpire. Win that ass bat like a boom 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 boom. Il a eu tellement vite. J'étais sûr que t'allais l'avoir en plus. En fait, je l'ai vu et ça a failli passer deux fois. Ouais. Bon, vas-y, c'est à mon tour. On va voir si les Marseillais sont chauds. Bon, j'ai sorti le ballon pourri parce que j'ai un peu peur que le ballon finisse dans le vieux port. Thank you.
même pas perdu le ballon. Franchement, trop bon délire. Les gens étaient grave sympas à chaque fois. Tout le monde le prenait avec le sourire, donc c'était trop cool. Tu veux passer dans le vlog qui sortira samedi prochain. Yes. Salut YouTube.